Clem? Ouais. Oh putain, tu filmes! Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation, mais pas une, je dis pas une voiture, mais là on va faire deux voitures en une fois. Je pense que vous allez pas être déçus de ce qui est en train de se préparer. Les voitures sont en train justement de se garer, on attend justement qu'ils se préparent. Et franchement, les deux voitures qui sont là, c'est incroyable. Allez, on se retrouve juste avec les propriétaires. A tout de suite, les gars. Eh bien, salut les gars. Ça va? Salut, ça va bien. Tranquille et toi? Ça va. Salut, salut frérot, ça va? Ça va et toi? Ben, les gars, bienvenue à vous sur la chaîne. Ben, merci. Merci. Aujourd'hui, on ne fait pas une voiture, mais on en fait deux, parce qu'elles sortent jamais l'une sans l'autre, on va dire. C'est ça. Ben, on va commencer par toi, frérot, parce que là, c'est toi qui es juste devant. Ouais. Et tu peux nous dire sur ta voiture, c'est quoi avant qu'on leur montre? C'est une base de Golf 6 TSI. Ok. Donc c'est un petit moteur, c'est un TSI 122 chevaux. Ouais. Mais tout est sur la prépa esthétique en fait. Ok. C'est pas un GTI ou quoi que ce soit, mais c'est pas le but. Ouais, donc, ton but c'est vraiment l'esthétique à 100%. L'esthétique jusqu'au bout et j'ai toujours fait ça. J'avais un GTI avant, mais je ne roule pas. C'était pour l'esthétique en fait. La GTI, il n'y a rien à faire en fait. Il y a des jantes abaissées, mais là c'est purement esthétique. En fait. Bah oui, surtout quand on voit la casquette. Quand on voit ça, ouais, on peut dire que c'est que l'esthétique. Donc j'ai essayé de pousser un peu le vis un peu loin, mais bon. Un peu? Montre-leur parce que. Franchement, viens avec nous, frérot, parce que. Franchement, quand vous voyez ça, les gars, c'est. Je sais pas, c'est incroyable. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce que tu as fait dessus exactement? Parce que là, à part la fameuse couleur extravagante, les jantes bien ressorties, enfin, elle est totalement posée même. Ouais. À la base, je partais sur du vert, je voulais la peindre en verte. Okay. Donc le côté vert, je me suis dit je vais la faire toute verte. Et ouais. Après, je suis tombé sur la technique du POSCO. Donc la technique du POSCO, faut faire des taches de couleur et comme ceci. Et tout ce qui est les entourages de scotch, les entourages d'ailes et tout, toutes les arêtes de caisse en fait, faut faire ressortir comme de la BD en fait. On n'arrête pas de me dire, on croyait qu'elle sort d'une BD. Et j'ai pris ce système là et j'ai fait à ma sauce avec un truc déco perso. Donc le fameux off-white. Ouais, off-white. Voilà. Donc comme j'avais déjà une déco off-white sur mon ancienne. Et celle-là, elle avait déjà été en fuite, mais en covering. Donc là, je vais faire en peinture. Et j'ai fait by Nike parce que Off-White a travaillé avec Nike. C'est pour ça que j'ai marqué by Nike. Ok. Et il y a eu combien de temps de préparation pour faire la peinture complète comme ça? La peinture complète, ça a duré un week-end. Donc sachant que le samedi matin, je l'ai rentré. Le samedi soir, elle était peinte. Et j'ai fait la caisse en premier pour savoir la teinte des jantes. Et le dimanche, j'ai fait les quatre jantes par rapport à la couleur de la voiture parce que j'avais aucune idée en fait. J'avais des idées dans ma tête, mais en fait, c'est parti en couille arrivé en cabine. J'ai préparé la caisse, une base blanche. J'ai mis mes scotch, j'ai tout peint. Et arrivé le dimanche, j'ai fait les quatre jantes pour vraiment que ça aille avec la caisse. Donc en un week-end. Donc la peinture en elle-même, un week-end. Et la calandre. Comme le logo a été décalé, il y a un week-end de boulot aussi. Comme le capot a été coupé, la calandre a été en mille morceaux. C'est vraiment et c'est la calandre d'origine qui a été retravaillée. Putain. Et le pare-choc aussi a été coupé parce que normalement il y a l'encoche pour le logo aussi. Et donc là il y a un week-end de boulot aussi. Et par contre pour l'ouverture de capot, ça se passe comment maintenant? Ça change rien. C'est toujours à la. Ça change rien. Il est resté au centre et ça n'empêche rien du tout. Putain. Et je voulais le faire et ça n'a jamais été vu. C'est ça le truc. Ouais. Personne n'y a pensé, peut-être que les gens y ont pensé, mais n'ont pas osé. Donc je me suis lancé et puis je me suis dit on verra bien. Ouais. On verra bien. Ouais, et puis tu as fait un côté vert, un côté violet. Voilà. Et puis voilà quoi. Ouais, franchement, tu as fait un sacré taf. Et là, tu estimes le projet à combien à peu près en budget? Hors prix de la caisse? Ouais, déjà. Ben, je suis pas énorme, hein, comme je suis carrossier peintre.
Voilà, ça aide. Je paye juste les produits. Après, si on paye mon temps de peinture et machin, après, on a beau dire un week-end. Mais un week-end, c'est pas 8h midi, 14h, 17h. Ouais. C'est un week-end où je suis arrivé à 6h du matin. Ouais. Et à 23h30, elle était peinte. Mais ouais. Si on compte mes heures, c'est inestimable. Après, là, moi, pour mon prix perso, ça me revient à 2000 balles. Putain, c'est pas complète. Putain, fait, ça va. Ouais. Par contre, frérot, attends, on va filmer un truc qui est rigolo. Regarde le mec, jusqu'à où il pousse le vis. Le mec, il pousse le vis jusqu'au lacet quand même. Ah, quand même. Tu peux me promener à pied, on sait que c'est ma voiture. Voilà, c'est sûr. Et au niveau de l'intérieur, t'as fait quelque chose ou pas? J'ai commencé à faire mes panneaux de porte. J'ai un extincteur qui est peint en violet, donc le côté violet forcément. Ouais. J'ai fait les petites garnitures là avec des petites des étiquettes de rappel. Parce que j'ai fait le. Alors, sachant que c'est des t-shirts et des pulls. Mais non. Regarde là. C'est fait donc, avec des t-shirts. Donc j'ai fait les soldes. Quand il y a les soldes, j'achète des pulls pour faire la sellerie. J'ai eu cette idée là parce que c'est pas évident d'avoir du tissu en fait de vert ou violet qui me plaisait. Ouais. Et du coup bah j'étais juste à Kiabi chercher des pulls. Et sur une base blanche. Voilà. Putain. On n'est pas des guignols. Hey, il a poussé le vis loin quand même. On n'est pas des guignols. 100% statique bien évidemment. Mais ça, c'est ton Insta, mon frérot, c'est ça. Allez lui donner de la force, les gars, ça fera plaisir au frérot quand même. Non, je voulais pas le mettre sur les vitres, je l'ai pas. Oh, tu t'es pas fait chier. Bah, parfait, ça. Et puis là, il nous a fait quoi alors? Ah, ouais, tu nous as fait le. J'ai fait mes petites garnitures en tissu parce qu'elles sont toujours peintes et moi j'ai voulu les faire en tissu. Ouais. Avec les petites bottes de tic-tac qui vont bien. Les bottes de tic-tac, frérot, filme-moi ça. Regarde. T'as été loin dans le vis. Hein. Et la boîte verte, elle n'existe pas. J'ai vidé les oranges pour faire du vert. Oh putain. Parce que c'est vert et orange. Ah bah oui. J'ai vidé les oranges pour avoir que les verts. Donc après, il y a le petit fil sur le volant. J'ai fait un petit fil discret. Voilà. Mais l'intérieur, ça va venir. Parce que là, je me suis pas concentré sur l'intérieur, c'est des petits détails. Attends, j'ai cru voir un truc qui m'a choqué. Oui. Ah non, je croyais qu'il avait marqué son nom sur la. Sur le seuil de mort, ça aurait été insolent. Bah, franchement, frérot, félicitations à toi pour ton projet. Franchement, projet incroyable. À chaque fois que je la vois sur les rassos, celle-là, je me dis putain, elle est quand même incroyable. Il y a quand même des gens qui osent des trucs un peu farfelus. Quoi. Ça c'est des choses que tu vois pas. Ben, on voit pas parce que les gens ils n'osent pas le faire. Et ils demandent aux copains, est-ce que je peux le faire, machin, il fait pas, ça va être de trop. Ou fait une aile avant ou une aile arrière, tu sais. Mais pas tout. Ouais. Ou juste que en POSCA, mais en POSCA ça reste normal quoi. C'est ouais. Du revu. Et en maths. Et en maths, nous on voulait pas. Et en brillant, ça rend différent. En fait, en cabine, quand on l'a fait. En maths, c'est joli, mais comme tu vernis, c'est magnifique. En fait, le résultat en maths, il serait pas pareil. Donc en fait, c'est toi qui t'es amusé à faire les dessins et tout. Mmh. Putain, t'as dû t'amuser. Mmh. Après, j'ai pris plaisir à la faire, tu vois. Je me suis dit, je vais me lancer. Après, quand je suis sorti, je me suis dit, je vais me faire insulter. Tu vois, une caisse comme ça, je vais me faire insulter. C'est... Au début, on te regarde, tu sais pas si on te regarde parce que la caisse, elle plaît ou si on se fout de ta gueule. Et c'est là où, quelques jours après, on m'a dit « Si, c'est bien, j'aime pas les golfs, mais la tienne est belle. » Tu vois. Et ça, dans les rassos, on entend beaucoup. « J'aime pas les golfs, mais celle-là, elle est belle. » Et ça, après, ça fait plaisir. Mais ah bah, c'est clair. Après, il y a les gens « C'est joli, mais je roulerai pas avec. » Tu vois. Bah, moi, perso, je le ferai pas. Ouais. Après, c'est pas tout. Pas dans l'extrême comme ouais. Ça. Après, comme je dis, chacun son truc, tu vois. C'est des voitures, enfin voilà, t'as voulu faire un délire comme ça, enfin voilà, c'est ton choix. Mais comme les feux en couleur, ouais. C'est des feux blancs qui ont été revernis. Et ça, je voulais absolument, parce que des feux blancs, c'est joli, mais c'est vu et revu. Des feux noirs, ça ne va pas. Des feux rouges d'origine, c'est dégueulasse. Donc je me suis dit, il faut des feux qui aillent avec la peinture.
Donc des feux violets d'un côté et feux verts de l'autre. Et comme c'est l'avantage d'avoir des feux LED, ils éclairent rouge quand même la nuit. Ah putain, voilà. C'est pour ça. Et un jour, t'aimerais bien changer de couleur ou tu restes vraiment dans ce délire-là ? Pour l'instant, je vais finir à ce projet-là et après, ça sera sûrement une autre base. Quand j'aurai fini celle-là, ça sera une autre base. Ouais, tu voudrais changer. Même principe, mais sur une autre base. Ouais. Un autre délire. J'en dis pas plus, mais j'ai un autre projet en tête. Ah bah, ne dis pas. Au pire, tu viendras nous la présenter quand elle sera prête. Il n'y a pas de souci, je vous la présenterai si vous voulez. Merci à toi, frérot, d'être venu parce que ça fait plaisir d'accueillir des gens avec des projets comme ça de fou. Merci bien à vous. Mais c'est normal. C'est sympa. Pense à toi, mon frérot. Allez. Et bah, présente-nous ton chef-d'œuvre parce que c'est aussi un chef-d'œuvre. C'est une base de Golf 5 GTI. Quelle année celle-là ? C'est une 2007. Ouais, t'as fait quelque chose au niveau moteur ou pas ? Bah, moteur, ouais, enfin un petit peu, oui. Il y a une ligne complète dessus. Ouais. Ligne complète, il y a les bougies R8 et. Enfin, les bougies. Bobine. Et bobine R8. Un gros kit admission. Ouais. Et un petit stage 1. Ok. Enfin, on va dire un stage 1 plus. Là, il me manquerait que l'échangeur pour qu'elle soit en stage 2. La boîte reprogrammée. Ouais. Et puis. Bah, boîte auto là-dessus ? Boîte auto, ouais, la DSG. Ouais. Un plaisir. Hein ? Quand ça va bien ? Ouais, elle va bien. Hein. Elle va très très bien. Ouais. Moi j'ai peur pour la mienne. Ah. J'ai fait ma carte, j'ai un peu peur pour la mienne. Bref, on verra ça. On verra bien si ça casse. Ouais. C'est le risque. Ah, bon, c'est 10 000 quand même, hein, mais. C'est ça. On verra bien. C'est ça. Après, bah, l'esthétique, hein, peinture, un peu l'intérieur, arceau. J'ai condamné les sièges arrière. Jante. Ouais, l'air, elle est sur air. Et puis voilà, ouais, il y a pas mal de boulot dessus et c'est pas encore fini. Ouais, tu m'expliquais tout à l'heure ton kit R, c'est un kit vraiment, vraiment sur mesure quoi. Bah, j'ai acheté la base et puis voilà. J'ai construit le reste quoi en fait. Ça revient moins cher que d'acheter un kit, un gros kit. Ouais, bon, ça reste du manuel, il n'y a pas de gestion, il n'y a rien, c'est que des boutons. Ouais. Donc, mais le rendu il est là, ça fonctionne bien et. Bah, ça met du temps quand même à bien fonctionner parce que bon, il y a quand même des petits réglages, il y a toujours des petites couilles qui arrivent sur la route. C'est ça. Mais bah, à la fin, ça marche bien. Ça évite de percer le réservoir. Ouais, c'est ça. Parce que c'est hallucinant. Donc, hein. Il roulait aussi bas que moi, voire plus bas, et il touchait tout le temps en fait. Ah, mais ouais. Une fois que tu poses ces caisses là, même que tu mets sur combiné, ça fera tout. Attends, la même config, mais moi la 6 elle touche moins que la 5. Avec les mêmes ressorts et tout, parce que j'ai filé mes ressorts courts. Ouais. Il touchait vachement plus que moi. Sérieux ? Ouais. Rien qu'en ressort court. Ouais. Ouais. Le ressort court de l'arrière. Mais à l'avant, il y a plus rien, juste des ressorts. Zéro de chez zéro. Quand tu me rassures pas, je vais mettre des ressorts courts sur la mienne. Arrêtez quoi, ouais. Il roulait à 1 cm ou 2 plus que ça. Elle était posée. Moi, je suis haut à côté. Il roulait plus bas. T'es haut là ? Je te promets. On est haut pour nous. C'est un 4x4 encore. Attends, t'as coupé les longs jambes. En fait, moi, si je me mets sur R, ça va faire pareil que lui. Voilà. Côté droit, oui, j'ai fait une entaille dans le long jambes. Je suis obligé pour la descendre aussi bas, t'es obligé de faire une entaille. Sinon, ça bloque, tu peux pas descendre. On va regarder l'intérieur, mon frère, l'ouvert. Vas-y, ouais, l'ouvert, bien sûr. T'as la vache. Ah, t'as tout repeint de la couleur. Ah, ouais, d'accord. Ah, des petites retouches. Putain, il a fait jusqu'aux palettes. Il a repeint les palettes. Oh putain, c'est long. Et pareil, un week-end pour la préparer. C'est ça, on a mis un week-end. Le même délire. En tout, 31 heures. 31 heures pour faire la peinture. Peinture et encore parce qu'il y avait des bosses, fallait la restaurer un petit peu. Ça, c'est ton Insta, mon frérot. C'est mon Insta, ouais. Allez lui donner de la force, les gars. Je préfère toutes les bosses, reponcer, tout préparer. 31 heures en tout. Les feux, les pare-chocs, on les a ralignés. Ouais. Il y a eu pas mal de boulot. Il y a quelques détails à réajuster. Ouais, c'est sûr. Elle était propre et une fois qu'on a commencé, on a poncé, on a regardé les pare-chocs. En fait, il n'y avait rien qui n'allait. Et on s'est. Hein, on s'est cassé la tête à tout remettre en ligne et tout. Ouais, mais je sais même pas si vous avez vu, les gars, même lui, il a poussé de vis, ça. Il a mis la veste à sortir à la couleur de la voiture. Ah, oui. Les mecs, ils sont assortis à leur voiture.
Ça va les femmes, elles gueulent pas trop les gars? Non, ça va. C'est ouvert frérot. Regardez-moi ça. Hop, on va mettre ça comme ça. Et ça, je l'ai fait en deux soirs. Ouais, j'ai vu des photos sur ton Insta quand je t'ai envoyé le message. J'ai fait putain, soir, j'ai rajouté le petit arceau, j'ai viré les sièges, j'ai remis une plaque, j'ai délocalisé. T'as même fait le plafonnier et tout. Voilà. Ouais, plafonnier aussi. Et c'est du plaid. Plafond et ça, c'est un plaid. Putain. Voilà. Ouais, il a été chez Jiffy, il a dit « Ah ça c'est bon pour ma caisse !» Ah mais bon, enfin voilà, ça relisse tout, ça cache les défauts, puis enfin ça, le rendu il est sympa quoi. Mais collé ou juste tendu? Collé. Collé. Collé et sur les bords, oui, j'ai agrafé. Ok. Subfonctionnel ou non fonctionnel? Fonctionnel. Putain, t'as dû t'amuser à passer tous les fils et tout. Oh, putain, pardon. Et toute la gestion est sous la cuve, la planche je peux la lever au cas où, c'est prévu. Ouais. Ah, il y a du boulot. C'est quand même incroyable. Quand tu vois ce que les moindres détails, comment c'est fait. Puis un arceau comme ça, c'est chiant à installer ou quoi? En vrai. Non, pas spécialement. Quand tu sais vraiment l'installer ou le positionner, ça va encore. Ouais. Mais non, c'est plus esthétique qu'autre chose. À part la deuxième barre qui a le petit arceau, oui, celui-là il est fixé vraiment sur le châssis. Ouais. L'autre aussi, mais c'est plus esthétique. Ouais. Putain, franchement, elle est quand même incroyable. J'aime bien la face avant. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi la face avant, je la trouve incroyable. Quand on voit le logo comme ça. Eh putain, mais le nid d'abeille, comment vous avez fait un nid d'abeille comme ça pour le couper, pour mettre le logo décalé? Et encore, là, on le voit pas la journée, mais le logo, il est fluorescent. Tu fais des trucs chelous, toi. La lumière, enfin le soir, il s'allume, enfin il est fluorescent, il charge le jour, et puis le soir, il y a le bébé qui comme ressort. Le liseré aussi, il est phosphorescent. Ouais. Si tu veux, enfin bref. C'est des petits détails, mais sympathiques. Ouais. Ouais, franchement, incroyable les deux caisses. Quand on les voit comme ça, toutes les deux, franchement, ça fait incroyable. Mais pareil, là, tu pourrais nous parler d'un budget à peu près? Ouais, le budget, après, je vais. Peinture, arceau et tout le tralala. Ouais, allez. On a une fourchette, hein. Il y en a pour aller 700, les deux arceaux 780. La peinture, on va dire, je peux pas trop parler de peinture parce qu'on l'a fait nous-mêmes, tu vois. J'ai acheté juste les produits. Ouais, voilà. Et c'est vu que ton pote là, le propriétaire de celle-là, là, le petit Mike, là, viens voir là, toi, reste là, reste avec nous. C'est quoi comme, c'est des couleurs que tu fais toi ou c'est non, c'est de la bombe. En fait, c'est de la bombe. C'est tout con, hein. C'est de la bombe. Et moi, en fait, le bleu, c'est juste une base Renault. C'est une peinture Renault. Il y a juste la base là qui me plaisait, que j'ai fait perso. Mais le reste, c'est que de la bombe. Après, le résultat final, il est propre, c'est grâce au vernis. Mais sinon, la sous-couche, c'est que de la bombe. Comme Rasta avec son turquoise et tout, c'est de la bombe. Après, on a fait juste les contours. Ouais, mais pour trouver la teinte comme ça. Ah, faut chercher vraiment les bombes, vraiment avec les couleurs que tu veux. Ouais. Après, ça se fait au feeling. Hein. Après, il a rajouté de la paillette. Oui, voilà. Donc, il y a du turquoise avec du vernis paillette. Ouais. En dessous, le vernis d'origine qu'on a rajouté nous. Parce que là, il y a 5 couches de vernis. La mienne, il y en a 3 parce qu'il n'y avait pas de paillettes. Mais en fait, avec les paillettes, j'étais obligé d'en mettre 5. Putain. J'étais à 3 couches de vernis, c'était pas suffisant, ça couvrait pas les paillettes. Donc, on a mis 5 couches de vernis. Je viens de tilter le sticker Ralbitume. Trop bien. Je suis membre du Ralbitume. Mais c'est quoi, c'est un club, c'est un truc? Ah ouais. Ah, pareil, c'est que de la caisse au sol. Ouais. Bon, en espérant vous voir au Shrine Chain des Days, hein, les gars. J'espère. Ah, je pense qu'avec des caisses comme ça, vous allez passer. Vous n'allez pas passer inaperçu, ça c'est sûr. Ouais. Ça. On y sera.
Au VVD, il s'appelait ou ça plaît pas. Des fois, on n'est pas, forcément au Show & Shine. Moi, j'y étais l'année dernière, mais c'est pas forcément cette année si j'y suis. Il y a des années où j'ai eu du mal à rentrer. Sérieux? Ouais. Pourtant, il y a des projets qui en valaient la peine. Après, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Il y en a plein, ils aiment bien parce que c'est osé, mais il y en a, ils n'aiment pas du tout. Non, faut oser. Franchement, des kits déco comme ça, faut vraiment oser le faire. Moi, personnellement, je le ferais. Surtout en peinture, parce que tout le monde le fait en covering. Parce que si demain, ça nous plaît plus, on l'enlève. Mais là, si demain, ça nous plaît plus, faut repenser. Les gens sur les rassos, ils sont là. Ouais. Et regarde si c'est pas un covering. Ouais. Ils sont tous en train de se demander si c'est un covering ou une peinture. Ah bah, tu cherches là-dessus, c'est obligé. Ah ben regarde, ils cherchent, ils se posent la question, savoir si c'est un covering. Mais non. Eh non, c'est pas un covering, c'est une peinture, les gars. Et les mecs, qui connaissent bien le covering, en fait. Entre le capot et l'aile, tu remarqueras, les coverings, il n'y a jamais rien qui coordonne. Là, en fait, la bande, si tu veux faire une bande comme ça sur un covering, ça va te coûter 4000 balles pour faire un covering comme ça. Sérieux? Bah oui, parce qu'en fait, ils essayent de faire une tache noire dans les angles. Comme là, le pare-choc et le capot, ça correspond jamais en covering. Donc, tu peux jamais faire un rendu nickel en covering, en déco comme ça. Ça va jamais suivre, en fait. Donc, ils font un dessin au milieu du capot, je sais pas si tu as déjà remarqué. Si. Et arriver dans les angles de capot, machin, entre les ailes, ils font un peu de sombre. Et comme ça se fond dans le décor et après ils repartent sur un truc, tu vois. Et des fois ça se suit même pas. Moi j'ai vu une Mercos avec une bande noire au milieu et verte au niveau du capot et les pare-chocs, ça suivait même pas. Donc tu peux pas avoir un rendu au millimètre avec un kit déco en covering. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à la base je me suis dit je fais un truc moi-même parce que je paye pas 4000 balles pour avoir un truc qui se suit pas. Non, c'est sûr. Si là le trait, imagine, il y a un centimètre de décalage. Ah bah, ça va faire dégueulasse. Et puis il va le rattraper. Toi. Donc c'est pour ça, un résultat comme ça, tu peux le faire qu'en peinture. Même le covering à 4000 balles, il va te pas faire un résultat aussi propre. Bah, tu au niveau de la déco, je parle. Mmh. Après, il y a des beaux coverings maintenant. Mais au niveau de déco, tu peux pas avoir une belle déco qui suit. Non, ça c'est vrai. Tu peux pas, comme pavillon, les ailes, tout ça, en fait, rien se suit. Tu regarderas. Tous les coverings déco, ils essaient de camoufler en fait les angles. Pour que ça suive pas, justement. Et là, en peinture, tu peux pas. Voilà. En peinture, tu fais ce que tu veux. Tu caches la caisse et tu mets des scotch. Par contre, j'avais une question con. Je m'aperçois que t'as pas de rétro, ça marche comment par rapport à nos chers habits de la marée chaussée? Bah quand ils le voient pas, ouais, ça passe. Mais quand ils le voient, ouais, t'es bon. Ça passe. Non, normalement, je mets mon rétro conducteur pour rouler. Parce que normalement, c'est deux rétro, intérieur ou extérieur. Si j'avais une cabine comme un Kangoo qui était pas vitré, c'était les deux obligatoirement à l'extérieur. Mais là, comme c'est vitré, j'ai automatiquement un rétro extérieur obligatoire et pas les deux. Donc le conducteur. Mais je l'enlève que pour les rassos, rassurez-vous. Ouais, c'est. il l'a retiré juste pour venir nous voir. Voilà. Bah, en attendant, les gars, merci à vous d'être venus présenter vos caisses parce que franchement, c'est deux projets incroyables. Putain, ils nous font chier à passer ceux-là. Putain. Oh merde, on le voit pas dans la voiture. Ouais, ouais. À cause de toi, je sais plus où j'en étais. Bah, en attendant, merci à vous. Parce que franchement, deux projets incroyables. Franchement, respect à vous. Et à chaque fois que je les voyais sur les rassos, ces deux caisses-là réunies, je me suis dit, putain, ces deux-là, il me les faut. Parce que franchement, c'est deux bagnoles incroyables. Un taf de ouf. Fait en un week-end sur chaque voiture, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Chaque voiture a passé un week-end complet pour faire sa peinture. C'est incroyable. Et quand on voit le résultat, franchement, incroyable. Eh ben les gars, prenez soin de vous. Faites attention sur la route. Toujours. Parce que, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas faux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On prend soin des autos quand même. Ouais. Et puis j'ai une grosse pensée pour mon pote Hugo Pro. Qui a eu pas mal de petits problèmes récemment, donc big up à toi frérot, si tu un jour tu tombes sur la vidéo, bah, big up à toi mon frérot, et puis on est avec toi et on te soutiendra. Et bah les gars, prenez soin de vous, à très bientôt. Avec plaisir. Puis on oublie de, faut pas oublier une chose, allez vous abonner à la chaîne, lâchez un maximum de pouces bleus, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis, ciao les gars.